Maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Maman, je venais déjà te chercher. Je savais que tu voudrais le faire. Devine quoi? Dis-moi. Ton fils nous a rendus fiers. Il l'a fait? Oui. Maman, je suis sortie premier de la classe. C'est vrai? Oui. Ah! Mon champion! Mais il ne se sentait pas bien. Il a repris les cours 2 semaines avant les examens. Exactement. Hey! Tu es sorti premier, c'est vrai? Oh! Ce garçon va nous tuer de joie, maman. Ah, je vais appeler papa. Oh mon Dieu, tu nous as rendus tellement fiers. Et à moi aussi. Oui, maman, toi également. Oh! Hein? Je l'appelle. Na, tu es très intelligent. Allô, chérie? Oh, Bim. Ton fils chéri a encore fait fort. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait? Tu te souviens qu'il ne se sentait pas bien et qu'il a repris les cours 2 semaines avant les examens? Oui. Ton fils est sorti premier. Super! Ça, c'est mon fils chéri. Là, ce sont mes gènes en action. Ha! Ha! Donc, tu veux dire qu'il n'a pas mes gènes? Mon amour, c'est notre enfant. Là, tu parles bien. Je rentrerai tôt, aujourd'hui, hein? Tu as intérêt. Sois prudent. Mon Dieu, tu m'as donné un enfant, mais une légion. Merci, Seigneur. Merci. Waouh! Tu vas aller à l'intérieur. Prendre un bain. Enlève d'abord ton uniforme et puis prends un bain. Je vais faire un plat spécial pour toi, ok? Bon boulot. Mais docteur, n'y a-t-il aucune autre solution à cela? Pour le cas dont elle souffre, les chances sont minimales. D'accord? Elle doit subir une opération ou avoir un enfant par AVF pour qu'elle tombe à nouveau enceinte. Et cela coûtera pas moins de 3 millions de naira. Hein? 3 millions? C'est exact. Je rejette ça. C'est pas vrai. Tu as dit je rejette ça. Amen. Mon utérus portera des enfants. Amen. Mince. Qui a dit, je dis que ton utérus portera des enfants? Qui a dit, tu vas allaiter des enfants? Amen. Qui a dit, je dis que je rejette ça? Hey! 3 millions?
les vois. Je t'ordonne, démon-toi, de sortir de ce corps immédiatement. Libère cet enfant maintenant. Tiens, sors de ce corps. Sors maintenant. Tiens, ma puce, tu aurais dû rester pour la prière, que tu le veuilles ou non. Et prier pourquoi? Est-ce de ma faute? N'est-ce pas le même Dieu que vous voulez que je prie qui m'a mise dans cette situation? Est-ce de ma faute? Suis-je la cause de ce qui m'arrive? Peut-être que ce n'est pas toi, plutôt ta famille. Il y a ce qu'on appelle la malédiction ancestrale. Ma mère voulait juste t'aider. Elle a même payé cette prophétesse 12 000 naira. Odona? Tu as rejoint maman avec cette histoire de malédiction ancestrale? Écoute, nous devons vraiment trouver une solution à cela. Obim, on doit trouver une solution. Ça suffit. Mais je... Ça ne m'intéresse pas du tout. Je voulais juste... On doit vraiment trouver une solution à cela. Mmh. Tu vois ça? Ça, c'est pour nettoyer ton utérus de toute saleté. C'est efficace, vous verrez. Ça, c'est de la bombe. Ça, c'est pour toi, Achigam. Tu vas voir. Ça va te rendre puissant. Tu vois ce truc? Tu le bois. Et tu vas directement au lit. Celui-ci. Voilà. Ça, c'est ce que tu vas boire maintenant. Voilà. C'est efficace. Voilà, c'est bon. Tu vas voir. Hé, Ago. Fougue, l'original. L'original. Tiens ça, tiens. Toi aussi, bois. Bois-le et ça va nettoyer ton système. Et partout sera ouvert. Vas-y. Bois-le. C'est bien. C'est bien. Passe-le-moi. Ça va aller. C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Bon, toi, c'est ton tour. Bois ça. Bois-le. Ne t'inquiète pas, elle ira bien. Bois-le, tu en as besoin. Pour nettoyer partout. Et comme ça, tu seras fort. Bois ça vite, pardon. Allez. Bois. Bois-le. C'est bien. C'est bien. Et ceci, assure-toi avant d'aller au lit ce soir. Secoula. Tu entends? Ogirigada, tu vas voir, tu seras performant. Maintenant, allez faire le reste dans la chambre. Inako. Allez-y. Allez-y. Buvez ça cette nuit. Faites ça bien. Ça va aller, ma fille. Sois forte, ok? Ne t'en fais pas. Odona. Je vais aller réchauffer le repas pour que lorsque Odona rentre, il trouve quelque chose à manger après sa réunion. C'est inutile. J'ai déjà réchauffé le repas. Hein? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit. Ne fais aucune tâche dans cette maison. Hé, hey, maman. Tu es ici pour faire des bébés. Va chercher des solutions à ta malédiction ancestrale. Va chercher des solutions pour ça. Je veux un petit-fils. Maman, qu'est-ce que ça signifie?
Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ai-je de l'eau dans la bouche? Non, maman, mais pourquoi une malédiction ancestrale? Je veux dire, en quoi est-ce de ma faute? Non, ce n'est pas de ta faute. C'est de la faute de mon fils. Après tout, il y a des millions de filles là-dehors. Mais c'est toi qui l'as choisi, c'est de sa faute. Pardon, dégage de ma vue. Dégage vite d'ici, petite sorcière. Que fais-tu encore là à me regarder? Dégage de là. Va trouver des solutions à ton problème. Je veux un petit-fils. Elle est là à me regarder. N'importe quoi comme ça. Odona. Oui, maman. Devine qui m'a appelée. Qui? Mais devine, non? Je ne sais pas. Qui t'a appelée? Chioma. Laquelle? Chioma, ta première petite amie. Oh. Cette fille t'aime encore. Écoute, mon fils. Peut-être que tu devrais l'appeler pour papoter un peu. Maman, je suis mariée. Je ne t'ai pas demandé de l'épouser. J'ai juste dit de papoter avec elle. On ne sait jamais, quelque chose de bon pourrait sortir de là. Maman, je t'en prie. Arrête. Arrête. Arrêtez quoi? Maman. Je suis là. Et je t'entends. Tu lui conseilles d'appeler son ex. Et où est le mal? Où est le mal? Oh, tu crois que tu peux l'empêcher d'avoir un enfant? Et aussi l'empêcher d'avoir des amis? Bah, je refuse ça. Maman, tu veux bien arrêter ça? Je n'arrête rien du tout. Ferme-la et ne me dis plus d'arrêter. Tu crois que je vais m'asseoir, croiser les mains et la regarder éteindre notre lignée? Tu veux rester sans enfant? Tu veux rester sans enfant? Je ne permettrai jamais ça. Je t'ai envoyé son numéro. Tu vas l'appeler. Pousse-toi de là. Ma chérie, qui a dit? Je ne compte pas l'appeler. Kiyoma, écoute, c'est ma mère qui m'a donné ton numéro. Je suis marié, oui, mais on peut se voir. Oui. Je suis désolé, mais... Pourquoi tu ne l'épouses pas une fois? Je discutais avec ma cousine. Tu parlais à ton ex, Tioma. Maintenant? En ce moment où j'ai le plus besoin de toi, tu préfères te coucher et parler avec ton ex? Qui a dit je suis fils unique? Je suis fils unique, tu penses que c'est facile? Et je suis la cause de ce problème? Je suis la cause de ce problème? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. J'ai juste envie que tu me tiennes par la main et dises « Tout ira bien ». Et c'est ce que tu fais? Je suis tellement sous pression. Mes amis se moquent de moi, ils disent que je ne suis pas digne d'être parmi les hommes. Ma mère me parle n'importe comment, ok. Le terrain qui a été vendu à la compagnie Allemande, ma part en faisait partie. Je ne peux recevoir l'argent à cause de ça. Sont-ce des raisons suffisantes pour prendre une autre femme? Odona, si les rôles étaient inversés, pourrais-je faire cela? Je serais restée à tes côtés. Odona, je sais que l'Odona dont je suis tombée amoureuse serait restée à mes côtés jusqu'à la fin. J'ai peur. Et j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je t'en prie. Je suis désolé. Vraiment désolé.
Je ne l'appellerai plus jamais. Ok? Écoute, je supprime son numéro. J'ai supprimé son numéro. Je suis là. Je suis là. Personne ne me mettra plus jamais. Plus jamais la pression de cette façon. Arrête. Je t'en prie, arrête. C'est juste que ce n'est pas du tout facile pour moi. C'est... Je sais. Mais je t'en prie. Aide-moi, s'il te plaît. Je suis là. Désolé. Je suis désolé. C'est rare. Mais Dieu a fait l'impossible. Votre femme est enceinte. Super! Merci, Seigneur. Wow, merci, mon Dieu. Votre femme est enceinte de 3 mois. Mais écoutez, elle doit encore subir une opération. Elle le fera. Dieu est magnifique, elle le fera. Tu es magnifique, mon Dieu. Ah. Merci, merci, Seigneur. Mon Dieu. Tu es merci. Seigneur. Merci. Tu es Dieu. Ah. Ça suffit. Allez, c'est bon. Ça va aller. Tout ira bien. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ce qui t'est impossible n'existe pas. Pas dû aller très loin. Allons-y. David, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu viens me chercher. Ne dis à personne que tu m'as vu. Je vais prendre mes affaires et je vais partir maintenant. Tu vas où, non? Maman, je pars de cette maison. Hey, il s'en va? Mais que se passe-t-il avec ce garçon? Hey, qui le poursuit? David! David, viens ici! David, viens! Bon après-midi. Merci. Bon après-midi, oh. Excusez-moi, jeune homme. Officier, en quoi puis-je vous aider? S'il te plaît, nous cherchons la maison d'un certain David. David Owake, le connaissez-vous? Owake. Non, je ne le connais pas. D'accord, nous vous remercions. Comme ça, après, vous lui direz que c'est moi qui vous ai montré sa maison. Vous ne mourrez pas, jamais de la vie.
Bon boulot. Je suis très fière de toi. Ah ah, le riz amer. C'est très bon. Ah, souris alors. Hé, hey, un bon riz comme ça. Un riz que je fais spécialement pour toi, parce que tu es sorti premier de ta classe. Mange ça et souris grandement pour maman. Voilà. Hey, donc vous ne voulez pas que je mange avec vous? Hé, hey, maman, je suis désolée. Pardon, viens manger avec nous. Oh bien, Julo, tu ne m'invites pas à venir manger. Grand-mère, viens manger. Nourris-moi. Officier, officier, je suis innocent. Je suis innocent. Maman! Maman! Hey! Officier, je suis innocent. Officier, je suis innocent. Maman! Viens ici. Viens. Maman! Officier! Viens ici. Je vous jure, je suis innocent. Laissez-moi, je suis innocent. Maman, tu l'as. Maman, laissez-moi, ah ah! Restez à l'intérieur, pardon! Ewo! 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 Ah, je suis foutue! Je suis foutue! Oh, Guinée! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Gloria? Ils sont partis avec mon fils! Je ne sais pas quoi faire. Qui ça? Oh, mon fils. Qui est-ce qu'il a arrêté? Ils ont pris mon fils. Ils ont pris mon fils. Hey, la police, je les ai vus quand je venais ici. Ils disent qu'il a fait quoi? Ils disent qu'il a kidnappé et tué quelqu'un. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. Ils sont venus et l'ont amené. J'ignore s'il reviendra vivant ou s'ils vont le tuer. Hey. Oh, Gauthier, tu vois ma maison vide, pas de mari. Oh, mon Dieu. Je n'ai rien du tout. Je n'ai que David. Et maintenant, ils m'ont enlevé. Ils l'ont amené loin de moi. Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! David a fini par se mettre lui-même dans un gros pétrin. Je n'ai personne d'autre, c'est le seul que j'ai. C'est hey le seul que j'ai. Ozugo, Ozugo, Ozugo. Oh, Gloria, lève-toi. Lève-toi, arrête mon ça. Mon fils. David. Allez, lève-toi. Ramenez-moi mon tu fils. Tu as fait de ton mieux. Ramenez-moi mon fils. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je veux mon lève-toi fils. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Mon fils, ramenez-moi mon fils. Lève-toi, arrête ça, s'il te plaît. Lève-toi. Je n'ai pas un autre enfant. Je n'ai que David. David. Hey! David, oh, mon seul fils. C'est bon, calme-toi, calme-toi. Tu pleures comme s'il était mort. Ugochi, tu ne comprends pas. C'est mon unique enfant, mon seul enfant. Si quelque chose arrive à David, je suis finie. Je n'aurai plus rien du tout. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je suis toute seule dans cette maison. Je suis foutue. Je suis foutue. C'est donc ça mon problème avec toi. Cette phrase que tu dis, c'est mon seul enfant. C'est mon fils unique. C'est pour ça que tu ne parles pas à ce garçon. Ce garçon va te tuer un jour. Tu comprends? Ce garçon va te tuer. Ça veut dire quoi? Hein? J'espère juste qu'il trouvera une solution pour sortir de ce pétrin. La diablesse en personne. Qui diablesse? Qu'est-ce que tu appelles diablesse? Redis-le. Écoute, hein, continue à me provoquer. Un jour, hein, je vais te faire la peau. Ma belle-fille va te battre à ma place. Elle va te battre comme un serpent.
Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui t'a pris. Tu es devenue une personne amère. Hey, si je suis devenue une femme aussi amère, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Je te le dis. Fais une remise en question au Gotchi. Mais sache une chose dans cette vie. La coupe que tu utilisais pour me juger sera la même pour toi. Ne t'en fais pas. Je te le dis. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Fais-moi confiance. Tu vas le payer. Écoute, je prie pour que ce jour arrive et que tu récoltes ce que tu as semé. Okoti, Juliana. Donc, vous osez vous disputer quand je suis dans cette situation? Anne, calme-toi. Je suis désolée pour ça. Je ne voulais pas. Je ne suis pas venue ici pour échanger les mots avec elle. Et Caméléon, pourquoi est-ce qu'on a arrêté ton fils? Attends un peu. Qui est Caméléon? Vu que c'est pas Gloria, utilise ton cerveau pour deviner qui c'est. Moi, Ugochi, tu oses me traiter de caméléon? Je n'ai rien d'autre qu'un est-ce caméléon. Est-ce que tu es malade? Tu es cinglé? Hein? Tu me traites de caméléon? Tu me traites de caméléon? Oh, Mamona. Je vais encore te gifler. Oh, Mamona. Je vais encore te gifler. Gloria, espèce de sorcière. Ugochi. Caméléon, qui traites-tu de caméléon? Je vais encore te gifler. Pourquoi est-ce que vous vous comportez comme des rats? Je vais encore te gifler. Tu as osé me gifler. Je vais encore te gifler. Ugochi, comment oses-tu? Ugochi, Juliana, arrête. Ugochi, je croyais que tu es venue me consoler, Ugochi. Elle a osé me gifler, elle a déclenché une guerre. Je croyais que tu étais venue ici me consoler. Je ne savais pas que tu es venue ici, Ugochi, pour me chercher la bagarre. Ugochi, pourquoi tu fais ça? Tu peux l'imaginer? Ugochi, comment peux-tu être si insensible? Elle t'a sauvée. Hein, Ugochi? Je t'aurais donné la bastonnade de ta Ugochi, vie. Ugochi, s'il te plaît, je t'aurais tabassé. S'il te plaît, va à la maison. Elle se fait une sorcière. Va à la pour maison. Pour qui elle te prend? Va-t'en, Ugochi. N'importe Gloria, quoi. Gloria, tu étais témoin, non? Juliana, tu as vu? Juliana, ça suffit. Elle a osé me juger. Juliana, ça suffit. Maintenant, mon oreille fait glou. Tu veux que je me tue pour toi? Tu veux que je meure? Ugochi a déclenché une guerre. Elle a déclenché. Hey! Regarde, mon Itaï, vous venez encore ajouter mes problèmes. Hey! Mon oreille! Allez donc bagarrer! Ok. Olangai go quoi? Premier de sa classe. Je suis fier de toi, fiston. Bravo, fiston. De rien. Sans problème. Hein? Merci. Je commence à comprendre que je suis inutile dans cette maison. La chose la plus importante pour toi, c'est ton fils. Non. Tu as dit, mon amour. Tu ne seras jamais inutile à mes yeux. Ok, devine quoi? Je ne sais pas, dis-moi. Je t'ai acheté le collier que tu as toujours voulu. C'est un mensonge. Oui. Tu es sûr que ce n'est pas non, une blague? Non, regarde. Obim, Jine Kene. Ah, oh mon Dieu, tu l'as jeté. Ah, oh mon Dieu. Hey, Timo, Obim. Hey. Hey! Hey! Tu n'es qu'aîné! Hey! Magnifique. Je sais, je me suis mirée, je sais! Je savais que tu aimerais. Merci. Hey! Tu n'es qu'aîné! Hey, wow! Tu vois, maman est contente. J'aurai une belle surprise pour toi cette nuit. Une surprise. Ne dis rien. Ne dis surtout rien. Oh mon Dieu. Hey! Oh mon Dieu. Comment t'en es-tu souvenu? Shinenye, écoute-moi. Shinenye, c'est un pur mensonge. C'est très faux. Si ton mari décide de divorcer de toi, tu ne reviens pas dans cette maison. Ne reviens pas ici. Tu ne reviendras pas dans cette maison. Je t'ai élevé avec des valeurs. Tu as déraillé. Donc, tu subiras les conséquences toute seule. Donne-moi ce téléphone. C'est quoi, Juliana? C'est quoi? Anne. Ma fille, je t'ai dit qu'à chaque fois que tu veux parler de ce genre de choses, appelle toujours ta mère que je suis. Appelle-moi toujours. Anne, je comprends. Néné Wam, je comprends.
Calme-toi. Hein? C'est bon. Non, chérie. S'il te plaît, essaye de supporter ton mari. Oh, okuro komnyamo. C'est pas de sa faute. Donne-moi ce téléphone. Donne-moi ce téléphone. Oh, Goody. Pour cette douleur que tu as causée à ma fille et moi, l'univers doit te visiter avec le karma. Bon. En quoi est-ce qu'elle de sa faute si ta fille est incapable de concevoir? Hein? Elle a perdu son utérus en essayant d'avorter. Et maintenant, tu reproches les autres. Continue. Mais écoute-moi bien. Elle va subir les conséquences de son acte toute seule. Envoie-la-moi. Laisse-le, laisse-le. Reviens ici. Envoie-la-moi, Obiadjulu. Mba. Par ici, Obiadjulu. Ah, ah, je vais la tuer, celle-là. Maman, qui est-il? C'est Juliana. Hein? Ce n'est pas Juliana? On en quoi? Je suis allée chez Gloria, voir ce qui se passait là-bas. Hein? Juliana est arrivée là-bas. Il n'y a rien que Juliana ne m'ait dit. Elle m'a bien insultée et elle m'a traitée de caméléon. De caméléon? Je t'assure. Maman, elle et toi, vous êtes des ennemis depuis que je vous connais. Quelle est la raison de cette intimité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous étions pourtant meilleures amies avant nos mariages. Hein? Je ne sais vraiment pas. Je me pose la même question. Hein? Je ne sais pas. Mais je lui ai donné sa dose. Je l'ai bien giflée. Maman. Oui. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai giflée. Une gifle retentissante. Je l'ai giflée. Elle l'a bien cherchée. Elle va me respecter désormais. Obim, où est-ce que tu vas? Chérie, je suis fatiguée. Donc tu pars et tu me laisses ici? Obim. Ha. Obim. Tu es encore réveillé? Hmm? Juliana, tu es encore réveillé? Tu vas bien? Hmm? Juliana, tu vas bien? Oguchi était non seulement ma meilleure amie, mais aussi une sage femme. Elle sait que je suis une infirmière qualifiée. Mais quand ma fille Chinenyi lui a dit qu'elle était enceinte, elle l'a chassée. Et cela a poussé ma fille à aller faire un avortement qui a détruit son utérus. Cet avortement lui a fait perdre son utérus. Oguchi. Rappelle-toi, tu es censé blâmer ta fille.
qui est allée se faire avorter et a perdu son utérus. Pas celle qui l'a chassée. Uguchi aimait notre fille. Uguchi était ma meilleure amie. Je n'aurais jamais pu faire un truc pareil à Uguchi, jamais. Peu importe la somme d'argent en jeu. Oh, Uguchi. Mais elle avait ses raisons. Hein? Écoute-moi bien, écoute-moi. T'inquiéter toute la nuit. T'inquiéter maintenant, jusqu'à la fin de cette année, ne restaurerait jamais ce qui a été endommagé. Jamais, il n'y a plus rien d'autre que nous puissions faire. L'utérus est endommagé. Recouchons-nous. Allez, viens, couche-toi. Hé, hey, lâche-moi! Va dormir. Pardon, j'ai pas le temps pour ça. Psst, Uguchi. Le karma te visitera. C'est sûr. Ce n'est qu'une question de temps. Attends-moi ici. Je vais pisser. Hmm? Ne pars nulle part. Hein? Attends-moi là. Biagelo. Il est dans sa chambre. Où est-il? Mais il est dans sa chambre. Qu'y a-t-il? Où est-il? Jadi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Mais qui a rien? Rien, maman. Ah ah! Que se passe-t-il? Ne dis rien. Pitié, ne dis rien. Qui a dit, ma chérie, que se passe-t-il? Tu agis bizarrement. Qu'est-ce qu'il... Non, ne la touche pas. Ça va. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Et quand j'essayais de l'étrangler, maman, ce n'est pas comme si je peux tuer quelqu'un. Mais dans le rêve, j'essayais de l'étrangler. Et elle s'est transformée en mon mari. Moi? Oui.
C'est pour ça que j'étais bizarre quand je me suis réveillée. Je ne t'ai pas laissé t'approcher ou même toucher au Biatulu. Après l'avoir pris de chez maman. Parce qu'elle... Elle s'est transformée en toi. Hein? Je ne peux pas faire de mal à mon propre enfant. Moi, mon propre enfant. En tout cas, ce n'est qu'un rêve. Ça ne peut pas être vraiment tel que tu l'as vu. Apparemment, Juliana est mon ennemie. Si elle tente de faire un truc louche à ma famille, je ferai vraiment tout pour lui faire payer. Juliana ne me connaît pas, oh. Juliana ne me connaît pas. Maman, qu'est-ce qui est la cause de votre problème? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Si tu la vois, je t'en prie, demande-le-lui. Hein? Nous étions les meilleures amies. Soudainement, elle s'est mise à me haïr pour un crime dont je n'ai jamais été au courant. Bon, je vais me préparer pour aller au boulot. Oh, donc ce dont on parle là n'est pas important? Maman, un rêve? Sérieux? Donc, je dois rester assis là à parler de ce qu'elle a vu dans son rêve au lieu d'aller au boulot? On doit prier et annuler ce qu'elle a vu dans son rêve. Comment puis-je faire du mal à mon propre enfant? Faire du mal à mon propre enfant? Vraiment? Écoute, relax, elle a juste eu un rêve. Qui concerne Juliana et moi. Juliana qui s'enfuyait avec mon fils. Elle l'a attrapé et a essayé de l'étrangler. Juliana s'est transformée en moi. Toi? Oui. Écoute, calme-toi, y a pas de quoi s'enflammer, tu prends ça très au sérieux. Non, non, je n'ai aucune raison de vouloir que mon passé affecte mon fils. Je ne veux pas que mon passé affecte mon fils, Emmanuel. Udona, rien n'arrivera à ton fils, calme-toi, reste tranquille. Je regrette vraiment ce qui s'est passé cette nuit. Je regrette vraiment. Moi aussi, j'aurais dû la forcer à rentrer chez elle. J'aurais dû. Mais tout de même, mec, reste tranquille, t'es un homme. Il faut oublier tout ça. Et dis-moi, comment était le boulot aujourd'hui? Mec, honnêtement, je n'ai pas eu la tête à faire quoi que ce soit de la journée. Ah, regarde ton visage. Détends-toi, ton stress se voit sur ton visage. En tout cas, achète-moi une bière, j'ai soif. Je ne suis vraiment pas d'humeur, sérieusement. Allez, quoi, mec, détends-toi, achète-moi une bière. Hé, mec, madame, je vais la chercher. Regarde ton visage. Maman, je suis vraiment désolé. Pitié, tu dois me faire sortir d'ici, maman. Maman, je te supplie. Maman, pitié, fais-moi sortir d'ici. Mon fils, tu vois dans quel pétrin tu t'es mis? Regarde ton visage, avec tes blessures partout. Regarde dans quel pétrin tu t'es mis. Maman, pitié, pardonne-moi. Pardonne-moi. Maman, ils vont me tuer ici si tu ne m'aides pas. Maman, la famille du mec que mon gang a tué a corrompu la police pour s'assurer que je ne sorte pas d'ici vivant. Je suis ton fils uniquement, s'il te plaît, aide-moi. David... Je ferai de mon mieux. Tu sais que tu es mon seul fils. Je n'ai pas d'autre enfant dans ce monde. Regarde-moi. J'ai dépassé la ménopause. Tu sais que je ne peux plus faire d'enfant. Je sais. Maman, s'il te plaît, sors-moi d'ici. La seule façon que tu as trouvée pour me remercier pour tout l'amour que je t'ai démontré, c'est de briser mon cœur. Ne vois-tu pas que tu me tortures là? Maman, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai changé maintenant, maman. J'ai appris ma leçon, maman. Pitié. Tu dois m'aider à sortir, maman, de cet endroit. Maman, je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Maman, pitié. Pitié, pardonne-moi, maman. Eh oh. Oh, Ewo.
Gloria. Oh. Tu continues à être dans tous tes états. Je suis foutue. Hein? Je suis fichue. Pourquoi dis-tu que tu es foutue? Ma sœur, je suis finie. Tu crois quoi? Que s'est-il passé? Parle-moi. Hein? Ma sœur, le commissaire a dit que mon fils n'était pas dans le gang qui a tué l'homme. Hein? Jésus-Christ est puissant. Que son nom soit glorifié. Hein? Dieu soit loué. Mais pourquoi es-tu si triste? Tu devrais être contente, non? Contente pourquoi? Quand on me dit que mon fils est dans le gang des bandits recherchés. Mais son nom sera retiré de la liste de ceux qui iront au tribunal. Gloire à toi, Jésus. Tu dis Dieu merci. Tu devrais être contente. Gloria. Tu veux que je sois contente quand on me dit que je dois payer la somme de 2,5 millions de naira. Hey! Où trouverai-je une telle somme? Où vais-je trouver une telle somme d'argent? 2,5 millions, oh Guinée. Millions de naira. Regarde-moi. C'est une chose impossible. Ils disent qu'ils le mettront en prison. Gloria. Je suis fichue. Comment est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas prendre... Ma soeur. Hey. Mon Dieu, je vais mourir. Mourir. Dieu trouvera un moyen. T'en fais pas. Fais-lui confiance. Il ne te laissera pas tomber, ma copine. Dieu trouvera un moyen. Tu as compris? T'en fais pas. Hey. Oh. Maman? Courage. Obia, accompagne-moi acheter un truc. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse qu'il vienne avec moi, je veux lui acheter quelque chose. Je dois le surveiller. Après le rêve que j'ai fait, il doit rester près de moi. Il ne doit pas rester hors de ma vue. On aura tout vu. Donc, parce que tu fais un rêve, je ne peux plus acheter un truc pour mon petit-fils. Non, maman, tu peux acheter. Tu peux acheter, mais tu dois l'acheter et venir lui donner ça ici. Je ne dois pas le perdre de vue. Ah, j'aurais tout entendu. Ah, ok. Obia, si tu pars loin de ma vue, tu le regretteras. Je dois toujours te voir, tu comprends? Assois-toi. Fais attention. Prends ça. Tiens ça. Joue avec ça. Joue avec ça. Joue avec ça. Gotti, s'il te plaît, dis-moi. Comment diable vais-je trouver une telle somme d'argent? J'ai pu avoir 800 000 naira de mes économies annuelles. Et ils m'ont donné 3 semaines. 3 semaines, Ugochi. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis foutue. Calme-toi. Calme-toi. Voici 200 000 naira. Pardon. Bam. Ce n'est rien du tout, ne fais pas ça. Je les ai pris dans mon épargne. Si tu ajoutes ces 200 000 aux 800 000 que tu as, ça te fera 1 million. Du moins pour le moment. Cela pourra t'aider avant que tu ne trouves la totalité de la somme. Ugochi, qu'aurais-je pu faire sans toi? Ugochi, non, merci. Non. Bam. S'il te plaît, lève-toi, ne fais pas ça. Pardon, assieds-toi. Ugochi, tu m'as sauvé. Tout ça pour moi. Ce n'est rien. Ugochi, merci. Ce n'est rien. Merci, Dieu te bénira. Dieu te bénira, mon nom. Je te comprends. Odona est mon seul enfant. Je comprends bien ta peur. Obiadjulu est mon seul petit-fils. La peur continue.
S'il y a quelqu'un qui comprend parfaitement ta peur, c'est moi. Mon seul problème avec toi, c'est que tu ne l'as pas bien élevé. Tu l'as beaucoup trop dorloté. J'ai également un seul enfant, mais je l'ai bien élevé. Hein? Regarde les conséquences maintenant. Ogochi, je crois que tu as raison là. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est de ma faute. J'ai fait des erreurs. Oui, je prends le blâme. Oui, je n'ai pas bien joué mon rôle de mère. Je n'ai pas bien joué mon rôle de mère. C'est pour ça. C'est bon, là. C'est bon. Merci. C'est bon, là. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Au moins, nous avançons un peu. Ça va aller. Merci beaucoup. Que je lui fais, rien du tout. Je ne fais qu'admirer mon fils. Tu vas arrêter. Oh, oh Seigneur. C'est mon fils aussi. Je suis désolée, désolée, désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, désolée, vraiment désolée. Oh, Bim. Il n'arrivera rien à notre fils. Ok? Ok? Tu me crois, il ne lui arrivera rien. C'est le seul qu'on a. C'est pour ça. Chérie, ne t'en fais pas. Ok? Tu as dit. Maman, tu veux faire la lessive? Oui. Il n'y a pas d'eau dans le puits? Je m'apprêtais à les laver quand j'ai remarqué cela. Je vais aller à la rivière et les laver là-bas. Hé, hey, à la rivière? Toute seule? Oui. Non, pas toute seule. Tu connais mon amie Jennifer? Elle est là. Elle a dit qu'elle m'aiderait à faire la lessive. Ok. Si je ne les lave pas cette semaine, la semaine prochaine, j'en aurai plein d'autres. Amène donc Obiadjulo à l'atelier de son père avant d'aller à la rivière. Non. Non, maman. J'irai avec lui à la rivière. Je le surveillerai en lavant les habits. Ok, je vais au champ. D'accord, maman. Je savais que j'allais te trouver ici. Oh, Juliana. Oh? Ma très bonne amie, où est-ce que tu vas? Je me suis dit, vu que je n'ai vraiment pas d'argent à te donner, alors je voulais que tu me laisses venir t'aider au champ pour que nous puissions travailler ensemble et gagner de l'argent. Je sais qu'ainsi, on pourra rassembler cette somme d'argent. J'ai foi en Dieu, je sais qu'on le peut. Julie! Oh, merci beaucoup. Que serais-je devenue sans Ogochi et toi? De rien, ma chère. Au moins, ce ne sera plus seulement Ogochi. L'histoire tiendra quand même que j'ai donné quelque chose. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi qu'il te bénisse aussi. Dans ce cas, allons-y. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Tu es une vraie amie. Tu es une vraie amie. Une très bonne amie. 2,5 millions de Naira, c'est l'argent. Ma très bonne amie. Qu'aurais-je pu faire sans toi? C'est à ça que servent les amis. Akosunu Sanu. Hey! Asunu Sonia. Tiadi, qu'est-ce qui te prend autant de temps? J'arrive. Je rassemble tous les habits. Je ne veux pas passer toute la journée à la rivière, s'il te plaît. Je suis là. Il fallait que je rassemble tous les habits pour les laver. Toi aussi. Tiadi, tu comptes laver tout ça aujourd'hui? N'es-tu pas censé m'aider à les laver? N'est-ce pas pourquoi on part ensemble? Tu moi seulement, non? Tu me prends pour une machine à laver. Ah bon? Mettons tout ça dans les seaux.
Dépêchons-nous. Vite. Pourquoi tu vas me raconter comment elle t'a fait sa demande? Oh bien, je dois te surveiller. Tu comprends? Tu adores les histoires croustillantes, pas vrai? Justement. J'ai hâte de l'entendre. Je t'écoute. Dis-moi comment il a fait ça. Tu veux connaître toute l'histoire? Il m'a vraiment surpris, je te jure. Il fallait voir tout ce qu'il a préparé. Thank you.
Maman Biadjulu, 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 Maman Biadjulu. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-il? Oh Biadjulu. Maman Biadjulu. Où est-il? Maman Biadjulu. Maman Biadjulu. Calme-toi, calme-toi. Tiadi, calme-toi. Oh bien, tu cours. Où est-il? Où est mon fils? Tiadi, oh bien, calme-toi. Oh bien, calme-toi. Calme-toi. Tiadi, arrête. Tiadi, 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 calme-toi. Oh bien, tu cours. Tiadi, Tiadi. Oh bien, tu loues. Oh bien. Oh bien. Attends. Oh bien, tu loues. Tiadi. Attends, laisse-moi t'en. Attends. Attends. Oh bien. Attends. C'est pas possible pour être avec elle. Je le cherche. Tiadi. Mon fils. Obiadjulu. 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 Calme-toi. Obiadjulu. Tiadi. Obiadjulu. Obiadjulu, mon fils. Ok, reste là, je reviens. Obiadjulu. 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 Retrouvez-le. Obiadjulu. 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 Tiadi. Mon fils. Obiadjulu. 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 Mon fils! Obiadjulu! 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 Où est-ce que tu es? Mon fils! Obiadjulu! S'il te plaît! Obiadjulu! Où est-ce qu'il est? Retrouvez-le! Retrouvez-le! Obiadjulu! Obiadjulu! S'il vous plaît! À l'aide! Obiadjulu! Obiadjulu! Obia! Où est-il? Obiadjulu! Obia! Calme-toi! Obia! Jennifer, je vous le dis. Où est Obiadjulu? Où est mon fils? Udonna, calme-toi. Tu n'as pas à me demander de me calmer. Ces deux-là sont allés à la rivière. Elles ont préféré faire des ragots que de surveiller mon fils. Hey, Tineke. Tineke. Hey. Udonna, comment tu peux parler de la sorte? Nous sommes allés laver les habits. On séchait les habits. Avant que je ne m'en rende compte, Obiadjulu jouait déjà près de la berge. On a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu le sauver. Je ne sais pas nager. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu n'as pas pu sauver mon fils, Obiadjulu, mais tu es là, assise vivante. Je suis désolée. Tu es là, vivante, Tiadi. Tu n'as fait aucun effort. Tu n'as rien fait du tout. Tu l'as laissé mourir. Tu auras voulu qu'elle aille nager et meure en cherchant ton fils. Et toi? Réponds-moi. Et toi alors? Je suis sûr que c'est toi qui as commencé avec cette histoire qui a tellement accaparé son attention qu'elle a perdu de vue notre fils. Et tu vas payer pour ça.
Allons à la rivière avec les nageurs du village. Voyons si on peut retrouver Obiadjulu. On l'a fait. J'ai moi-même fouillé partout. Partout, mais rien. C'est mon fils, d'accord? Mon seul enfant. Mon unique enfant. On n'a même pas retrouvé son corps. Ma pauvre Obiadjulu. Je crois que Uma a raison. Allons en rechercher. Allons à la rivière et cherchons-le. Hé! Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à y croire. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Dites-le-moi. Maman, où est mon petit-fils? Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Que quelqu'un me réveille, oh! Que quelqu'un me réveille, oh! Où est mon petit-fils? Nous sommes allés à la rivière. Où est mon petit-fils? On s'est cherché. Où est-il? Obiadjulu. Où est-il? Où est dans l'eau? Où est mon petit-fils? Où est mon petit-fils? Où est mon petit-fils? Où est-il? Où est-il? C'est un rêve. Odona, je t'en prie, reste tranquille. Viens, viens avec nous. Odona, viens, on va à l'intérieur. Je t'en prie, viens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoute, je te comprends, d'accord? Je te comprends très bien. Je te conseille de quitter d'abord. Que quelqu'un me réveille. Calme-toi. Que quelqu'un me réveille. Réveillez-moi. Réveillez-moi. Calme-toi. Maman. Obiadjulu, mon fils. Obiadjulu. Obiadjulu, mon fils. Obiadjulu. Je t'avais prévenu. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Maman. C'est de ta faute. Arrête. C'est de sa faute. À cause d'elle. Je t'avais prévenu. C'est de ta faute. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. C'est pas vrai. Odona, reviens, ne me demandez reviens, pas de où est-ce me que calmer. Tu vas, reviens. Odo, calme-toi, allons-y. Calme-toi, comment allons Odo, allez, calme-toi. Comment Dieu peut-il laisser une telle je chose je sais que c'est arriver. Pas facile, mais nous sommes là pour toi. Ne t'inquiète pas, comment allons à la rivière. Allons à la rivière, on va certainement le retrouver, allons-y. Je ne peux pas me calmer, c'est pas vrai. Oh bien, Julo. Ton père est là! Où es-tu? Laissez-moi tranquille! Je vais le rejoindre! Lâchez-moi! Obiadjulu, ton père est là! Obiadjulu, ton père est là! Où es-tu? Obiadjulu! Obiadjulu, où es-tu? Obiadjulu! C'est pas vrai! Tu sais ce que j'ai enduré pour avoir cet enfant. Lâche-moi. Obiadjulu, ton père est là. Obiadjulu, ton père est là. C'est pas vrai. Tu sais tout ce que j'ai enduré pour avoir cet enfant. Mon unique enfant. Mon seul enfant. Obiadjulu. Obiadjulu. Lâchez-moi. 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 Je ne peux pas l'accepter. Laisse-moi chercher mon fils. Obiadjulu, tu m'as tué. Obiadjulu a brisé mon cœur. Obiadjulu. Obiadjulu. Mon fils. Obiadjulu a brisé mon cœur. Pendant 4 années, j'ai questionné ma vie. Je croyais que
Je croyais qu'ils avaient refusé de me donner le fruit de mes entrailles. Oh, Jennifer! Puis on vient du loup est venu. Il était ma paix, ma joie, un miracle comme nul autre. Les dieux m'ont béni avec un bien du loup. Et ces mêmes dieux me l'ont repris. Les dieux m'ont repris, mon fils. S'il te plaît. S'il te plaît, tu ne t'aides pas du tout. Si tu continues comme ça, s'il que te plaît. Que suis-je censée faire? Que suis-je censée faire quand ma vie a été enlevée? Calme-toi, oh, s'il te plaît. Ma paix, ma joie, et les dieux me l'ont enlevée. Comment pouvez-vous me l'enlever? Non, calme-toi. Comment pouvez-vous m'enlever la seule chose importante? Calme-toi. Comment pouvez-vous m'enlever la seule chose qui est importante pour moi? Comment peuvent-ils me l'enlever? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Calme-toi. Ok, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Dis-moi, que dois-je faire maintenant? Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire, dites-moi? Écoute, Udo, je vais pas t'abandonner dans cette épreuve. T'es mon ami. Ok? Qu'on me laisse au moins enterrer le corps de mon fils. Qu'on me laisse enterrer. Udona, il faudra un jour ou deux pour que le cadavre flotte. Onyema. S'il te plaît, attendons juste. Onyema. Comment puis-je être en paix quand je ne sais pas si mon fils est vivant ou mort? Hein? Écoute, je propose qu'on va à l'endroit où toutes ces rivières se rejoignent. Voyons si on peut le retrouver. Tu sais, Emma a peut-être raison. Essayons encore. C'est pas vrai. Mon fils unique. Je sais ce que j'ai enduré pour avoir cet enfant. Cette vie n'en vaut pas la peine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça va aller. Cette vie est cruelle. Je viens de le découvrir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais aller chercher mon fils. Laissez-moi. Udo. Udo, allez, calme-toi. Tu vas te faire plus de mal. Sortons de la rivière. Avance, avance. Ali, avance. C'est un rêve. On va le retrouver. Je vais certainement brûler. Assieds-toi. C'est pas vrai. C'est un mauvais rêve. C'est un mauvais rêve. Udo, je t'en prie, ne fais pas de folie, je t'en prie. Juliana. Hein? Ogochi est une bonne et très vieille amie. Pourquoi tu t'obstines à t'inquiéter pour ça? Ah, Juliana, je dois m'inquiéter. Je dois m'inquiéter. En fait, nous devons nous inquiéter. Hein? Nous étions même censés être chez elle depuis. C'est ce que tu étais censé dire. Allons là-bas pour rester avec elle. Kayega. Kayega Manyomo. Allons-y, non? Oh, Udona. Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que ce que tu es en train de dire a l'air étrange. Mon oncle. Ma femme que voici. Non. Je dois partir maintenant. Je dois partir chercher quelque chose à manger. J'ai vraiment faim. Je ne suis pas celle qui a noyé l'enfant. Mais je compatis quand même. Hein. Il faut que je mange quelque chose. Bon courage à vous. C'est la vie. S'il vous plaît. Faites pas attention à elle, je vous en prie, hein? Ne faites pas attention à elle, laissez-la partir. Mon oncle, ma femme que voici et son ami sont allés à la rivière. Soi-disant pour faire la lessive. Mince, elles se sont mises à cancaner. Sans surveiller l'enfant et maintenant Biadjulu est parti. Non, non, non.
Mais, nous n'allons pas vite tirer de conclusion qu'il se serait noyé. Non, bah. Oncle, j'étais en train de faire la lessive. Et mon fils joue au ballon. Juste le temps de sécher les habits, oncle. J'ai entendu. Combien du loup a disparu? Voilà ce qui s'est passé, oncle. Et rien d'autre. C'était tout. Hein? C'était tout, oncle. Mais, ça va, c'est bon. Calme-toi. Calme-toi. On l'a cherché partout. Est-ce que vous avez au moins vu son corps? Je ne l'ai pas retrouvé. Mon oncle. Est-ce que vous avez fouillé dans les bois? On a cherché près des berges de la rivière. On a même demandé aux gens aux alentours. Personne ne l'a vu. Mais est-ce que vous avez au moins fouillé dans les herbes au bord du ruisseau? On a cherché partout. Mais on ne l'a pas retrouvé. Toi. Non. Tiadé, essaye de te ressaisir, hein? Ressaisis-toi. Nous ne sommes même pas sûrs qu'il se soit noyé. On n'a même pas encore vu le corps. C'est noyé, la rivière a pris mon fils. Ne tire pas vite de conclusion, je t'en prie. Nous devons encore intensifier nos recherches. Oh bien, Julou. Obim, mes os sont faibles. Je suis désolée. J'ignore ce qui s'est passé, ok? J'ai tout fait pour le retrouver. Même s'il s'est noyé, je n'ai pas pu le retrouver. Je n'ai fait qu'une seconde, juste pour sécher les habits que j'ai lavés. Mes os sont faibles, Obim. Tiens, direct. Comment est-ce que ça peut guérir ce que j'ai perdu? Comment est-ce que ça peut guérir la partie la plus fragile de mon cœur? C'est pas vrai, mon Dieu. Mon fils chéri, qui me parlait quand j'allais au boulot, n'est plus là pour le faire. C'est pas vrai. Qui a dit tu m'as tué? Ne me parle plus. Voilà. Tiens, les voilà. Tiens, les voilà. Les voilà. Mange-les. Vas-y, mange-les. Tu as perdu ta fierté. Tu as perdu notre fils. Tu l'as. Oh, mon fils. Merci. Tu as bien agi. Merci beaucoup. Je voulais simplement le protéger. C'est tout. Je voulais le protéger. Sérieux, j'imagine quand il se noyait. Comment il avalait les quantités d'eau en espérant que son papa ou sa maman viennent le sauver. C'est pas vrai. Je n'étais même pas là pour le sauver.
C'est pas vrai. Tiens, dis, arrête. Avec toute la prudence, comment as-tu... C'est pas vrai. Comment as-tu pu être aussi négligente? Mince. Juliana? Juliana? Juliana, ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas bien. Ugochi est ta co-épouse. La femme de mon défunt frère. Et sa peine est la nôtre. Et tu es parti juste comme ça. Attends. Biko, 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 ne dis plus jamais ça. Sa peine ne sera jamais mienne. La douleur d'Oguchi ne sera jamais la mienne. ok. Ils sont en train de payer ce qu'ils ont fait à ma fille. Oguchi et sa famille payent pour ce qu'ils ont fait à ma fille. Le karma est en train de les frapper. Oh, tu crois que je vais rester là, à verser des larmes de pitié pour eux? Ce n'est pas possible. Oh, mamé. Juliana, Ugochi et sa famille n'ont rien fait à notre fille. Rien. Oh, tu dors? Oh, tu ne voulais pas que je dorme? Juliana, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Je n'ai rien à te dire. C'est inutile de te dire quoi que ce soit. Oui, ils sont en train de payer pour ce qu'ils m'ont fait. Ugochi et sa famille sont en train de payer. C'est l'heure des comptes. La nature leur rend ce qu'ils méritent. Biko, essaye de me laisser tranquille. J'ai envie de dormir. Kala kuchiri boro. Kachifu. Aller chercher mon petit-fils. Moi, je n'ai pas éteint la lignée de mon père. Et je ne permettrai à aucune femme de le faire, pas de mon vivant. Maman, pardon, cesse de parler comme ça. Hein? Que veux-tu qu'il fasse? Je ne sais pas. Ma fille, je ne sais pas ce que je veux qu'il fasse. Tout ce que je demande, c'est mon petit-fils. Ou, Udona va chercher une autre femme. Oui. Tout comme je te l'ai conseillé quand tu as découvert que ta femme était partiellement stérile. Toi, écoute, tu es une malchance pour cette famille. Tu es une malchance. Regarde comment tu as tué ton propre enfant. Tu es une malchance. N'est-ce pas vrai? Qui a dit? N'est-ce pas vrai? Ne l'as-tu pas fait? Si tu avais laissé Obiajulu aller avec maman au champ ou me suivre à l'atelier comme tu le fais toujours, cet enfant serait encore ici. Mais à cause du stupide rêve que tu as fait, tu l'as emmené à la rivière. C'est pas vrai. Mon fils est noyé à cause de Shadi. Comment puis-je tuer mon propre enfant? Oui, tu l'as tué. Maman. Udona. Shadi. Maman, tu la vois? Tu la vois? Attends. Shadi, où vas-tu? Vous êtes pareil. Tu vois ce que je t'avais dit? Va prendre ses bagages et apporte-les ici.
dès qu'elle revient, qu'elle prenne ses choses et qu'elle quitte cette concession. C'est une femme pleine de poisse. Je dis et je répète que c'est une femme pleine de poisse. C'est une femme pleine de poisse. Va à l'intérieur chercher ses affaires. Dépêche-toi, je ne veux plus la voir. Dépêche-toi. De toutes les femmes de ce village, c'est seulement elle que tu avais vue, hein? Seulement elle que tu avais vue, hein? Seulement elle, une femme remplie de poisse, remplie de poisse. Hé! Hey! Non. Non. Non! 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 Ti! Non! Miringane! Miringane! Je te maudis! Je te maudis, Miringane! Je te maudis, Miringane! Je te maudis! Je te maudis! Je te maudis, Miringane! On dit que tu es une mère! Comment peux-tu prendre l'enfant d'une autre femme? J'ai souffert et pleuré que je n'avais pas d'enfant. Le seul enfant qui me donnait le titre de mère, tu l'as enlevé près de moi, mère nature. Je te maudis! On dit que tu représentes la paix, la joie. Ça suffit, Tiadi. C'est ainsi que tu apportes la paix. C'est ainsi que tu apportes la paix dans nos maisons. En me prenant mon fils. Tu as dit, ça suffit comme ça. Je te maudis. Je te maudis, rivière. Je te maudis, mère nature. Je te maudis. Je te maudis. Tu ne seras plus une référence parmi les esprits des eaux. Ton nom ne sera plus jamais mentionné. Ça suffit. Calme-toi, s'il te plaît. Je te maudis pour m'avoir pris mon fils. Ne perds pas espoir comme ça. Je te maudis, Miringane. S'il te plaît. Elle a enlevé mon fils près de moi. S'il te plaît, ça suffit. Elle a enlevé mon fils. Elle. Tiadi, Dieu fera un miracle. Tu sais, Dieu sait ce que tu traverses en ce moment. S'il te plaît, calme-toi. Elle a pris mon fils, je l'ai maudit. Je t'ai maudit, Miringane. Je t'ai maudit. C'est bon, ok. Tiadi. Comment vais-je faire maintenant? Pourquoi me fait-elle ça? Tiadi, je t'en prie, ne perds pas espoir. Mon fils, comment vais-je vivre? Comment vais-je vivre? Elle a pris mon fils. Oh bien du nom. Elle a pris mon Tiadi, fils. Calme-toi. Elle me l'a pris. Tiadi, c'est bon. Ça suffit. S'il te plaît. Calme-toi. Mon fils. Calme-toi. Calme-toi. Oh bien du nom. Calme-toi. Tiadi. C'est bon, c'est bon. Oh bien du loup. Tiadi. Oh bien du loup. Ça suffit. Tu es maudit. C'est bon. Obiadjolo! Obiadjolo! Hé! Je ne pleure plus! Je ne pleure plus! C'est terrible! Hé! La mort, tu mens! Tu mens! Cet enfant pour lequel j'ai donné des semences! J'ai aidé les nécessiteux! J'ai aidé des veuves comme moi! Tu me le prends comme ça! Hé! Chineke Nazugoya,
Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Comment peux-tu prendre un enfant qui est une source de joie? Tu veux me tuer? C'est ça. Tu veux me tuer? Tu veux me tuer, oh! Tu veux me tuer, oh! Oh non! Non! La mort ne peut pas le prendre. Non! La mort ne peut pas prendre Biadjulu. Je ne pleure plus. Merci. Merci, ça va aller. Gloria? Pourquoi fais-tu cette mine? Je veux seulement t'aider, oh. Où est-ce que tu vas? Je veux aller voir mon fils. Si c'est le cas, laisse-moi t'aider, non? Attends, qu'est-ce que tu as ici? Oh, tu veux aller lui donner à manger? Chai, laisse-moi t'accompagner, non? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Hein? Udonna, comment est-ce que ta mère peut être plus préoccupée que toi dans cette histoire d'enfant? Hein? Pourquoi est-ce que ta femme est incapable de faire des enfants? Hein? Mon oncle, je t'en prie. Veux-tu... Tu veux vraiment que je la mette à la porte? Parce qu'elle souffre de quelque chose que je sais qu'on peut résoudre? Une chose à laquelle on peut trouver une solution? Ce n'est vraiment pas juste. C'est vrai. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Udonna, tu es enfant unique. Tu es fils unique. Laisse ta femme refaire sa vie ailleurs. Écoute-moi bien. Je suis en train de te donner ce petit conseil parce que je suis ton oncle. Lomuna ne donnera pas l'argent que nous avons reçu en vendant le terrain à la compagnie allemande, à n'importe qui, à quiconque n'aura pas eu d'enfant. Tu peux être marié, mais si tu n'as pas d'enfant, tu n'auras aucune portion, tu n'auras pas part à cet argent. Savent-ils qu'on parle là de 2 millions de naira? Écoute, on parle de 2 millions de naira ou alors du fait que tu n'es pas encore d'enfant. Écoute, l'argent sera partagé entre les hommes qui sont mariés et qui ont des enfants. De préférence, un héritier. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'auras aucune part à cet argent. Écoute, tes ennemis retournent cette loi contre toi actuellement. En fait, ils vont partout en disant que tu n'auras pas ta part. Alors agis vite, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. À bon entendeur. Monsieur Udonna, Madame Shadi, je ne veux pas que vous voyiez ça comme si c'était la fin du monde. Qu'y a-t-il? Ma femme va bien. Oui, votre femme va bien. Mais elle a besoin de traitement avant de pouvoir concevoir. De quoi s'agit-il? Docteur, parlez! Votre femme a une sévère endométriose. C'est pour ça qu'il lui est difficile de concevoir.
Qu'est-ce que ça signifie? L'endométriose produit lorsque les tissus similaires au tissu utérin se forment à l'intérieur de l'utérus. Ils gonflent et deviennent des tissus de l'endomètre, car il n'y a nulle part où les déchets et le sang seront évacués. Ils bloquent les trompes de Fallope et forment ce qu'on appelle un mur à cause du sang bloqué. Les tissus peuvent se former et tout cela produit des patients de l'endométriose. Et mince. Mais docteur, n'y a-t-il aucune solution à cela? Avec le type dont elle souffre, les chances sont minimales. Elle doit subir une opération ou avoir un enfant par FIV. Comment? Et cela coûtera 3 millions de naira. Hein? 3 millions? Je rejette ça. Oh, tu as dit, je rejette ça. Je rejette ça, tu as dit. Madame. Cet utérus portera Amen. Des enfants. Je porterai des enfants. Hé, 3 millions. Je rejette cela. Tu as dit, je rejette cela. Madame, vous n'êtes pas stérile. Hé, tu as dit, tu n'es pas stérile. Vous ne l'êtes pas. Pas de 3 millions. Je rejette cela. Je rejette cela, Tia. Monsieur O'Donnell. Hey! Monsieur O'Donnell. Et même le FIV n'est pas garanti à 100%. Et le seul enfant que Dieu a bien voulu nous donner, Madame Tiadi l'a perdu. David, qu'est-il arrivé à ton œil pour que tu le caches? Maman, on nous torture atrocement ici tous les jours. C'est ainsi que j'ai cette blessure, maman. Mon œil, maman, doucement. Mais peux-tu voir avec? Maman, je ne peux pas. Je ne peux pas voir avec cet œil. À moi de mort. Maman, je t'en prie. Aide-moi. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Qu'il vienne percer mon œil. Qu'il vienne me tuer. Oh. Regardez mon unique fils. Quelle cruauté. Oh. Désolé, hein. Désolé, David. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Il a déjà perdu un œil. Peut-être c'est quand on va le tuer là-bas que tu vas te décider. Juliana, je ne peux pas bâtir mon bonheur au détriment d'autrui. Ben, je refuse ça. Gloria? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-toi. Ce n'est pas un péché d'être un peu égoïste pour son gain. Ce n'est pas un péché. C'est la seule chance que tu as de pouvoir sauver ton fils. Ton unique fils. Ton seul enfant. Mais ai-je besoin de te rappeler que le temps ne joue pas en ta faveur? Hein? Ça fait longtemps que tu n'es plus un bébé. Tu es vieille. Tu es déjà dans la ménopause. Est-ce que tu me comprends? Donc, tu n'as plus aucune chance d'avoir un autre enfant. Si quelque chose arrive à ce garçon,
Oui, Kotikowa. Je ne peux pas. Itioliwa Kama. C'est juste que la décision est très difficile. Prends cette décision pour sauver ton fils. Ton seul enfant. Ne l'oublie jamais. Pourquoi est-ce que je me fais tant de soucis, hein? Ok. Ok. Quand est-ce qu'on commence? Maintenant, tu parles bien. Ça veut dire que je les appellerai le soir. Oui, je leur dirai de préparer l'argent, hein? Pour qu'on puisse procéder à la transaction. Tu te soucies des gens qui ne le méritent même pas, Biko. Mais une dernière chose, s'il te plaît. Personne ne doit être au courant. N'en parle à personne. Que cela reste entre toi et moi, s'il te plaît. Hey! Oh! Je vais vivre et je vais voir des choses. Je ressemble à un enfant. Hein? Pour aller bavarder partout. Biko, je rentre. Juliana, je ne pensais pas en mal. Pardon, laisse-moi rentrer. Ne sois pas fâchée, s'il te plaît. S'il te plaît, ne sois pas fâchée. Hey! Oh! Obim. Cet enfant était tôt pour moi. Comment as-tu pu être aussi imprudente? Est-ce que tu as oublié ce par quoi nous sommes passés afin d'avoir cet enfant? Comment puis-je oublier, Obim? Tu es celui qui a créé le plus de culpabilité dans mon cœur. C'est simplement parce que de toutes ces personnes, je suis le plus atteint de tous. Quand on me traitait de stérile, j'ai cru en ta fertilité, Tiadi. Je suis resté avec toi. Donc quand tu dis sans réfléchir que je suis la personne la plus blessante de cette histoire, c'est parce que je suis la plus blessée. Et en plus, celle qui a le plus souffert pour avoir cet enfant, et aussi celle dont l'erreur a causé la mort de cet enfant. J'ai vraiment très mal, tu ne peux imaginer. Je n'ai pas été négligente. Je le regardais jouer au ballon. J'ai vraiment très mal. Je séchais les habits que j'ai lavés tout en le regardant jouer au ballon. Hein?
Mon fils n'est plus de ce monde et je suis sur le point de prendre une importante décision. Alors n'aie pas l'air surprise quand je le ferai. Oh Bim. Oh Bim. Oh Bim. S'il te plaît. C'est uniquement ce que je suis venu te dire. J'ai convoqué cette réunion parce que je ne veux pas prendre de décision de mon propre chef. Mon petit-fils n'est plus. Mais le plus important maintenant, c'est que mon fils avance dans sa vie. Ugochi, tu n'es pas clair dans tes mots. Sois plus clair pour qu'on comprenne ce que tu veux dire. Mon fils est devenu l'ombre de lui-même depuis ce drame. Je veux qu'il laisse tomber ce passé et qu'il avance dans sa vie. Je ne veux pas que quiconque, aucune femme, l'entraîne dans ses malheurs. Tu as dit ici, tu as une malédiction ancestrale sur toi. Maman, ce n'est pas évident. Ça t'a pris du temps pour avoir un enfant. Et quand tu l'as enfin eu, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as tué. Maman. Et mon fils n'en fera pas partie. Mon fils ne subira pas ça. Jamais de la vie. Ai-je tué Obiadulu? Maman, nous ne sommes pas venus pour des questions-réponses. Oncle Ndoukwe, je suis venu à cette réunion parce que je veux renvoyer Tiadi dans la maison de son père. Odona. Oui. Je veux réclamer l'argent de ma tante. Qu'il me rembourse mon argent. Je ne veux plus d'elle comme épouse. C'est terminé. Lâche-moi. C'est quoi ça? Udonna. Ah. Udonna, assieds-toi. Je vous ai entendu tous les deux. J'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai aussi entendu ce que tu as dit. Mais en tant que l'homme le plus âgé de cette famille, je n'accepte pas cela. Je refuse. Pourquoi tu refuses? Qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant n'est pas encore enterré. Mais on ne retrouve pas son corps. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de cérémonie funèbre pour lui, même si c'est symbolique. Hein? Après la cérémonie funèbre, tu pourras donc renvoyer ta femme dans sa famille si tu insistes ne plus vouloir être avec elle. Je ne te l'oblige pas. Si ton cœur ne bat plus pour elle, oui, tu peux le faire, mais cela est une seconde option. Après la cérémonie. C'est sans souci, je peux très bien attendre jusque-là. Dès que mon fils sera mis en terre et que la cérémonie sera terminée, elle s'en va d'ici. Elle s'en va. Je ne veux plus d'elle. Moi non plus, je ne veux plus d'elle. Tu as bien parlé. Tes paroles sont sages. Je suis d'accord. J'ai compris. Ce n'est pas possible. Qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille. Udonna, qu'est-ce qui va pas chez toi, hein? Comment peux-tu dire ça à une femme en deuil? Emmanuel, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je vis la situation. Je sais très bien qu'au moins elle fait mal. Je ne comprends pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas? Tu as dit. Ça suffit. Arrête. Hein? Arrête. Que veux-tu que je fasse? Ils ne veulent plus de moi ici, Jennifer. Je ne peux pas rester et les entendre se moquer de moi ou attendre qu'ils me mettent à la porte. Tu dois attendre qu'ils te chassent d'abord, ok?
Au moins, tu te frapperas la poitrine, sachant très bien que tu as fait de ton mieux. Attends, l'enterrement de ton fils n'a pas encore eu lieu. Et tu veux partir? Ils peuvent le faire sans moi. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Qui sont-ils? Qui sont-ils? N'est-ce pas toi et ton mari? Par pitié, Tiadi, tu dois attendre et assister à cette cérémonie. Tu dois faire ce qu'on te demande. Et si après ça, il jette tes affaires dehors, là, tu t'en vas. Mais une chose est sûre, quiconque se moque de toi dans cette situation invite son propre malheur. Ça va aller. Jennifer, j'ai tout perdu. Mon fils, mon unique fils, et maintenant mon mariage. Non. Qu'est-ce que j'attends encore? Non, tu n'as pas perdu. Sache que tu n'étais pas perdu, toi. Et c'est là que repose ta force. Tiadi, c'est en toi. Odu n'est pas le seul homme sur Terre. Et Obia, du coup, n'est pas le seul enfant que tu auras. Écoute, je veux que tu continues à croire en ta force et en Dieu. Ceci est une phase, ça va passer. S'il te plaît, n'oublie surtout pas que je serai toujours là pour toi. S'il te plaît. J'ai mal. J'ai mal, ma sœur. C'est bon. J'ai mal. Ça va aller. Calme-toi. J'ai mal. J'ai mal. Jennifer, j'ai je mal. Sais. Mon ami, le mariage n'est pas que le meilleur. Il vient aussi avec le pire et des défis. Tout comme il vient aussi avec des bons moments. C'est un ensemble et tu le prends en entier. Cesse d'écouter et de laisser ta mère prendre des folles décisions sur toi, Odona. J'ai donné mon avis, Odona. Je t'ai donné mon avis, à bon entendeur. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Oui, oh. Oui, c'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. S'il te plaît, ma chère, essaye de préparer la somme sur laquelle on s'est accordé. Ok. Non, j'ai réservé l'hôtel où tu dois séjourner. Non, ce n'est pas dans ce village. Je te fais confiance. Biko, je veux un travail bien fait. Fais un boulot bien propre. Oui. Je te fais confiance. Oui, Biko, ne me déçois pas sur ce coup. Tu sais que je te fais vraiment confiance. Oh, oui. Allons. Allons-y, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. On y va. Nous sommes obligés d'aller ensemble. Ah bah. Juliana, pourquoi es-tu aussi méchante envers Ogochi et sa famille? Pourquoi? Pardon, je n'ai pas le temps pour tout ça. Allons-y, voilà la route. Ukanikana wani, okone. Et tu ne... Porte pas du noir. Tu ne portes pas du noir. On est en train d'aller à un enterrement. Tu as oublié. Tu ne voudrais plus qu'on parte. Imazi Bozinabo. Tu voudrais qu'on parte ou que j'aille à l'intérieur. Juliana, allons-y. Allons-y. Biko, marche là-bas. Allons-y. J'ai toujours en train de tout faire pour me mettre en colère. Akoronazo. N'importe quoi. Maman. Tu ne viens pas. Maman, allons-y. Maman, allons-y. Allons-y. Maman, allons-y. Maman. C'est bon.
compagnie. Doucement, doucement. Ça va aller. Tu as quoi? Ogochi, j'ai envoyé ton fils t'appeler. Ne réalises-tu pas ce qu'on est sur le point de faire? Tu devrais être là-bas. On doit y aller, allons-y. Venir avec vous pour faire quoi? Que je vienne avec vous pour enterrer mon petit-fils? Le seul petit-fils, mon unique petit-fils. Mais comment pourrais-je supporter ça? Je l'avais pourtant prévenu, je l'avais prévenu. Je ne peux pas. Ogochi, on n'en est pas arrivé là. Hein? Toute la famille doit être là. Je ne serai pas là. Je ne veux pas être là. Hey! Obiadjulu, mon petit-fils. Je ne veux pas être là. Je ne viendrai pas. Obiadjulu, mon fils. Nous sommes ici pour faire ce rituel nécessaire. Afin que ton âme puisse reposer en paix. Ah, ce n'est pas du tout facile pour nous. Nous sommes en train de faire ce rituel ici. Parce que tu t'es noyé dans cette rivière. Et notre tradition exige que nous fassions ce rituel ici. Si cela ne dépendait que de nous, tu ne serais pas parti. Dans le prochain monde, tu nous reviendras. Nous t'aimons, fils. C'est triste que nous n'ayons pas trouvé ton corps. Donc, nous devons jeter ce vêtement pour faire ce rituel. Ah. 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 Mm-mm. Ah. Udonna. Trouve la force dans ton cœur pour supporter cette perte. Hein? Nous ressentons ta peine. Nous ressentons ta peine. As-tu quelque chose à dire? Udonna! 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 Oh! Dis-moi, mon fils, est-ce qu'on l'a enterré? Obim! Hey! Oh. Hey. Oh, Mimo. Arrête de pleurer, arrête. Hein? Hey. Ça va. Calme-toi. Calme-toi. Tu sors. Hey. De chez moi. Tu sors de chez moi. Ah. Va-t'en. Hey. Tiens, dis, va-t'en de chez moi. Udonna. Va-t'en de chez moi. Udonna. Ne m'énerve pas. Va-t'en de chez moi. Udo. 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 C'est ton épouse. Va-t'en. Odo. Hey. Gloria. Va-t'en. Elle a dit qu'on doit l'appeler Gloria. Mama. Gloria.
Maman, Odou, s'il te plaît. Maman, Odou. Gloria? Je pars de chez moi tout de suite. Pars d'ici. Va-t'en. T'es encore là? Dégage. Fous le camp. Allez, dégage. Allez, dépêchez-vous. Foutez le camp d'ici. Odona, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce qui te prend? Odona, arrête, je te laisserai pas la traiter de la sorte. Hé, c'est bon, lâche ça, arrête. Arrête-moi tranquille, Lima. Calme-toi, tu vas trop loin, là. Arrête. Lâche-moi. Calme-toi. Odona. Vous pouvez en parler. Reste à l'intérieur. Reste en dehors de ça. Calme-toi. Reste en dehors de ça. Odona, je t'en prie, je ne peux plus, lâche-moi. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas qu'elle entre dans ma concession. Mais c'est ta femme. Je t'en supplie, je ne veux pas te faire de mal, je me suis mise à genoux. Va-t'en. Hé, hey, Odo, dégage d'ici. Allez, fous-moi le camp. Qu'est-ce que tu fais, Odo? Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Quoi? Nous n'avons plus rien à traiter ensemble, alors dégage d'ici. Odo, écoute-moi, calme-toi. Qu'est-ce que je ne veux plus qu'elle entre dans ma concession. C'est ta femme, Odo. Odona. Odona. Je remercie Dieu pour cette pluie, oh. Dieu merci, oh. Quand on va finir de débroussailler ce champ, il y aura des bonnes choses. Oh, non. Merci infiniment. À quoi servent les amis? Tu m'as vraiment surprise, hein? Merci d'être venue m'aider à faire ce champ. Ce n'est rien. Vu que je n'ai pas d'argent à contribuer, il est judicieux que je t'aide en main d'œuvre. Hein? Laisse-moi t'aider avec ce que je peux faire pour que tu puisses gagner de l'argent et donner à ces gens. Hein? Laisse-moi t'aider à ramener ce garçon à la maison. Tiens. Ankwana Makubwena. Kainaba. Oh, Juliana. Au secours! Venez m'aider! Au secours! Au secours! Venez m'aider! N'entends-tu pas tous ces cris? Au secours! Venez m'aider! Les cris, c'est comme si ça venait de la rivière. Ah! Est-ce que ça te concerne? Allons-y, Juliana. Allons voir ce qui se passe. Rentrons au village. Juliana, s'il te plaît, viens. Allons voir ce qui se passe à la rivière. Venez m'aider! Hey! Hey! Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Il était dans cette rivière, la grande rivière qui va dans l'autre village. Dans la rivière? Cet enfant pourrait être de notre village. Et je pense le connaître. Vous le Juliana. Connaissez? Vous connaissez cet enfant? Je connais cet enfant. Juliana, regarde-le. Vous êtes sûr qu'il ira bien?
Il le sera. Ne vous inquiétez pas. Il ira bien, je vous assure. Oui. Vous êtes infirmière? Oui. Juliane a été infirmière. Hein? Elle pourra m'aider. Ok. Merci. Vous plaît. Merci. Gloria, allons-nous-en. Prenez soin de ce Allons-y. Pas de problème. On prendra soin du garçon. Allons-y, non? Et wow. Merci. On prendra soin de lui. Ne vous inquiétez pas. Merci faites-nous beaucoup. Confiance. Merci beaucoup. Hey, Seigneur. Tchai. Merci beaucoup, Seigneur. Hey, Dieu. Oh. Oh. Gloria, je commence à croire que c'est une bénédiction déguisée. Une bénédiction déguisée? Comment? Ton fils est en train de pourrir en prison. Et il va mourir dans cette prison si rien n'est fait. Tu as 1,5 million de naira à ajouter au 1 million que tu as donné à la police, c'est ça? Oui. Souviens-toi que j'ai été infirmière. Ok. J'ai des contacts. On peut vendre cet enfant. À 3 millions de naira ou même plus. Si on négocie bien, tu prendrais 2 millions de naira. Et moi, 1 million de naira. Avec tes 2 millions de naira, tu compléteras ce que tu as déjà donné à la police. Juliana, je ne serai pas complice pour vendre l'enfant d'autrui. Bah, nous sommes en train de parler. Attends, écoute-moi. Nous sommes en train de parler de ton seul fils. Chofu Kumuam. Né, tu es déjà vieillot. Tu es entré dans la ménopause depuis plus de 15 ans maintenant. Si quelque chose arrive à ton fils, Enikoma Kamao, la mère de ce jeune garçon, est encore jeune et robuste. Elle a encore la possibilité de faire beaucoup d'enfants. Réfléchis bien. Bah, Juliana, je ne ferai pas ça. On ne vendra pas cet enfant. Non. Eh. Hey. Oui. Nous sommes en train de parler là de 3 millions de naira. Et si on négocie bien, comme je l'ai dit, on se fera plus d'argent. T'es partante? J'appelle mes contacts. Ce n'est pas comme si on tuait un enfant. On le vend juste à une famille très riche qui prendra bien soin de lui. On lui donnera juste une bonne vie, une meilleure vie. En retour, on gagnera de l'argent et on sauvera ton fils unique. Okpema kanak miniyo. Mais Juliana... Cesse de t'en faire. Nous ne ferons pas ce qui n'a jamais été fait. Tu sais que j'avais été infirmière. On avait l'habitude de faire des transactions d'affaires. C'est comme ça qu'on appelait à l'époque. On ne vendait pas des bébés. On faisait juste des échanges. Si une femme souhaitait un garçon et qu'il arrivait que ce soit une fille qui arrive, on faisait l'échange. On donnait le garçon à la femme en besoin et on prenait l'argent. Oui. Parfois, des femmes qui accouchaient des morts-nés repartaient chez elles avec des enfants qui sont vivants. Hey. Avec de l'argent, tout peut se passer. Oui. Juliana, tu oublies que les gens nous ont vus à la rivière ici, ce jour-là? Ici, c'est au Baou. Ici, c'est au Baou. Là-bas, c'était un autre village. Personne ne connaît nos noms. T'es partante? J'appelle mes contacts. Attends. C'est en train de sonner. Ça sonne, ça sonne. Allô? Madame O'Hara. Ma personne personnelle. Oui, oh, ça fait vraiment longtemps. J'ai une affaire pour toi. Oui, l'affaire habituelle, tu connais, non? Cette affaire est correcte. Aucun stress à te faire, oh. Non. Un jeune garçon. Non, il n'est plus...
il n'est plus aussi petit. Pas le genre que tu vas te déranger pour nourrir. C'est confirmé. Je t'assure que c'est du gâteau. Oui. Ça me convient. Madame Oa, 3 millions c'est petit. Mana guita biekago. D'accord. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ngan O. C'est déjà fait. Hey! Non, bah non, je ne le ferai pas. Je ne suis pas du tout d'accord. Jamais. Je refuse. Ah! Gloria? Hein? Juliana, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Écoute, on ne vendra pas ce gamin. On ne le vendra pas. Baisse d'entendre. On risquerait de. On ne vendra pas ce gamin. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas partante. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais pourquoi est-ce que tu parles de la sorte? J'essaie juste de t'aider. Au moins, tu connais la mère du gamin. Elle est encore jeune et robuste. Mais qu'en est-il de toi? Tu es vieille, oh. Le temps ne joue plus en ta faveur. Tu es entrée dans la ménopause depuis plus de 15 ans maintenant. Si quelque chose arrive à ton fils, tu t'en prendras toi-même. Juliana, il y a d'autres manières pour aider mon fils. Pas de cette manière. Oui, bien sûr. Il y a d'autres moyens. Aller au champ et sauver d'autres enfants. Pendant que ton fils meurt en prison. Tu es mon garde, hein? Juliana, pourquoi tiens-tu autant à faire cela? Est-ce parce que Ugochi est maintenant ton ennemi? Hein? Même si c'est le cas, c'est toi qui serais la plus grande bénéficiaire. Oui, j'essaie juste de t'aider. De toute façon, si t'es pas intéressée, laisse-moi appeler Madame Oa pour lui demander d'annuler tout. Non. Julie, tu n'es pas obligée de faire ça. Hein? Mais Julie, tu sais bien que c'est vrai que tu veux m'aider et c'est à cause de mon fils. Hein? Mais tu sais que je suis une très bonne personne. C'est difficile. Hein? S'il te plaît, personne ne doit être au courant. Je t'en prie, que ça reste entre nous, d'accord? Je te ramène à la maison, d'accord? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu essayes de faire là? Je ramène cet enfant chez sa mère, tout de suite. Non! Tu ne peux pas faire une telle chose. Tu n'as plus aucune envie de sauver ton fils. C'est ton seul enfant, ton seul fils. Oui. Il pourrit en cellule. Je sais. Mais je ne peux pas construire mon bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Tu as compris? Maintenant, écoute-moi. S'il plaît à Dieu que mon fils meure dans une cellule, alors qu'il en soit ainsi. Ok. Tu peux ramener l'enfant à sa mère. J'y vais. Je peux même t'aider à le faire. Merci pour ton aide. Ok, merci. Allons-y maintenant, au bien du loup. Ah! Ah! Idiote. Tu crois que je me démerdais autant pour ton idiot de fils qui est en cellule? Je voulais juste prendre ma revanche sur cet Ogouti. Je voulais me venger de ce que Ogouti et sa famille ont fait à ma fille. Né, je suis allée trop loin pour reculer. Viens. Viens. Allô, Ugochi. Oui, c'est moi, Gloria.
Ogoti, ton petit-fils est en vie. Oui, j'ai dit que ton petit-fils est vivant. Ferme ta bouche. Avance, avance plus vite. Ferme ta bouche. Attendez. Tiens-y. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Obi. Cette femme avait sa cruauté. Lâche-moi. Donc c'est toi qui as kidnappé cet enfant? Tu étais même à son enterrement, méchante femme. Tu crois que je regrette tout cela? Tu es mauvaise. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien de tout ça. Oui. Mauvaise femme. Je ne regrette rien. Cet enfant a gâté mon business. Stupide. Ferme-la. Juliana. C'est pas possible. Pourquoi tu fais une telle chose? Udonna. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mon Dieu. C'est pas vrai. Je croyais pourtant que tu étais la meilleure amie de ma mère. La meilleure amie de ta mère, tu dis? Écoute-toi un peu. La meilleure amie de ta mère. Quand ta mère a découvert que ma fille était enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a ignorée. Elle n'a rien fait. Sachant très bien que ma fille était sur le point de commettre un avortement, elle aurait au moins dû m'informer. Ta mère sait au moins que je suis infirmière, non? Une infirmière qualifiée. Udonna, j'aurais bien voulu avoir une chose.